Nos quatre grands piliers de la mission de l'INAF, c'est la recherche, la formation, l'innovation et le transfert. À l'INAF, on a, à travers différents projets de recherche, l'opportunité donc de former des étudiants sur des thématiques qui sont importantes et pertinentes pour le secteur alimentaire. Et ces résultats-là, par la suite, on a la capacité de faire toutes sortes d'activités pour transférer les connaissances vers les utilisateurs. La collaboration avec l'industrie, ça fait partie de l'ADN de l'INAF. C'est-à-dire que des deux côtés, on en retire de très grands bénéfices. Par exemple, il y a plusieurs de ces activités-là qu'on peut faire en collaboration avec le créneau Accor Aliments Santé de la Ville de Québec. Nos partenaires de recherche à l'INAF sont de toute grandeur, qui vont pouvoir s'impliquer dans des travaux de recherche, soit en collaboration, mais également par des activités de transfert très diversifiées. On a plusieurs projets qui ont des portées internationales. On a avec l'Université de Bordeaux, avec l'Université de Lille, également des travaux dans le domaine du microbiote. Ce sont trois exemples concrets d'équipes de recherche ici à l'INAF qui ont des collaborateurs à l'étranger pour s'adresser ensemble à ces questions qui sont urgentes et pertinentes actuellement.